Je voudrais vous présenter cette excellente biographie sur Joséphine Bakhita qui est parue en août dernier, L'esclave devenue sainte, alors esclave de musulmans, d'un général ottoman, on va le voir. Ça se situe dans l'actuel Soudan, en Nubie à l'époque, à la fin du 19e siècle, la Nubie qui est conquise par les troupes de Mehmet Ali Pacha, le vice-roi d'Égypte, qui va ensuite transformer le nom en Soudan, le pays des Noirs, et qui va avoir besoin d'esclaves. Et de toute façon, l'esclavagisme est tout à fait légal en islam, hein, c'est prévu dans la charia, le Coran cite des cas d'esclaves, il est permis de se marier avec son esclave, etc. Tout ça est très connu. C'est une biographie importante et qui a un raisonnement avec l'actualité, étant donné que l'esclavage au Soudan existe toujours. Et je vous invite à regarder un documentaire sur notre même chaîne YouTube de Joachim Velioca, une émission de KTO où un prêtre catholique raconte les esclaves qu'il a vus et qu'il a libérés au Soudan. C'est une action assez discrète, mais qui se fait toujours aujourd'hui. Donc là, je vais commencer directement à lire un extrait qui va commencer. Je vais sauter quelques pages et ensuite, si vous voulez en savoir plus, vous achèterez cette biographie. En 1878, Bakhita a environ 9 ans lorsqu'un matin, après le petit déjeuner, elle se rend au champ avec une de ses amies de 12 ou 13 ans, à quelques pas de la maison familiale. Elle joue, puis cueille des plantes. Soudain, elle voit émerger d'une haie deux étrangers armés. Les voyant surprises et craintives, ils tentent de les rassurer et, s'approchant d'elle, l'un d'eux dit à l'aîné: Laisse cette petite aller là-bas, près du bois, me chercher un paquet que j'ai oublié. Toi, continue ton chemin, elle va te rejoindre bientôt. Bakhita, habituée à obéir à sa mère, s'empresse d'aller voir et, bien entendu, ne trouve pas le paquet. Elle s'enfonce un peu plus dans le bois pour chercher l'objet et elle voit alors les deux étrangers lancés à ses trousses. Paralysée d'effroi, elle veut crier mais elle s'entend dire par l'un des deux individus: Si tu cries, tu es morte. Il tire un gros couteau de sa ceinture, tandis que l'autre la prend par le bras et la pousse plus en avant dans la forêt. Le stratagème des ravisseurs a bien réussi. Le témoin gênant, qui n'aurait pas manqué de sonner l'alarme pendant qu'il était encore temps, a été écarté. Au lever du jour, les négriers arrivent dans leur village. Bakhita est exténuée car elle a dû marcher dans l'angoisse à un rythme rapide. Ses jambes ne la soutiennent plus et ses pieds sont en sang, blessés par les fragments de pierre et les morsures des épineux. Passant dans un champ de pastèques, ils font halte et les ravisseurs lui proposent un morceau de fruit, ce qui donne à penser que nous sommes en février. Elle n'a rien mangé depuis le matin, mais elle ne peut rien avaler, trop choquée par l'angoisse et les menaces. Donc ces ravisseurs vont la marcher, la monnayer à un marché aux esclaves. Et d'ailleurs, cet enlèvement, qui n'est un cas parmi bien d'autres, montre que l'esclavage était encore en vigueur à l'époque de Bakhita. En effet, depuis l'invasion de l'armée de Mohamed Ali en 1821, la région des montagnes de Nuba était soumise à des raids fréquents, le souverain égyptien voulant des esclaves pour son armée. Le régime des Égyptiens demandait en effet aux assujettis de payer l'impôt en biens ou en esclaves. Les chefs de tribus de la région menaient donc des raids pour s'acquitter de l'impôt en esclaves. Un matin, la porte du taudis de Bakhita s'ouvre plus tôt que d'habitude et son ravisseur la présente à un marchand d'esclaves arabes qui l'achète. Elle doit alors rejoindre d'autres esclaves, trois hommes, trois femmes et une fillette un peu plus âgée qu'elle. Ils se mettent en route et la seule vue de la campagne, du ciel et de l'eau redonne un peu de vie et de courage à Bakhita. Ils vont marcher 8 jours de suite. En passant par les villages, la caravane grossit de plus en plus. Elle a pour destination Taweisha, un centre de regroupement d'esclaves situé à 180 km à vol d'oiseau de son village natal, sur un parcours assez accidenté, car il faut traverser une sorte de plateau d'altitude jalonné de montagnes culminant jusqu'à 1000 mètres à travers bois, vallées et zones désertiques. Les captifs sont disposés ainsi, d'abord les hommes, puis les femmes en rang de 2 ou 3, liés 2 par 2 au moyen d'une grosse chaîne passée autour de leur cou et fermée par un cadenas. Malheur à celui qui défaille, les plus robustes sont forcés de porter de lourds fardeaux comme des bêtes de somme. Les plus petites, dont Bakhita, ferment la marche en compagnie des maîtres. Ils s'arrêtent de temps à autre pour se reposer et manger. On enlève alors la chaîne du cou des captifs et on leur met aux pieds et on les maintient côte à côte pour déjouer toute tentative d'évasion. Les petites sont enchaînées que la nuit. Finalement, ils arrivent au marché des esclaves et sont introduits dans une pièce. Bakhita attend son tour avec sa consœur qui porte le nom de Bina. Le maître et son acolyte vendent d'abord les faibles et les maladifs pour éviter qu'ils ne deviennent sans valeur.
Le côté rocambolesque d'un épisode de la vie de Bakita mérite d'être raconté, d'autant qu'il dénote d'un de ses traits de caractère. Bakita se trouve avec Binat dans une pièce séparée et est toujours tenue fermée. Un jour du retour du marché, le gardien ramène sa mule chargée d'épis de maïs et il ordonne aux esclaves de les nettoyer pour les donner à manger à la bête. Mais il oublie de fermer la porte. Voilà donc les deux fillettes seules et s'enchaînent puisqu'elles doivent faire leur travail. Elles échangent un regard entendu et après avoir jeté un coup d'œil alentour, se précipitent à toutes jambes vers la campagne. Toute la nuit, elle fuit dans les bois et les hautes herbes, ne s'arrêtant que pour souffler un instant ou écouter les bruits alentours. Quand elles entendent les rugissements des fauves, elles grimpent aux arbres pour se cacher. À peine descendues de leur refuge, elles reprennent leur course. À un moment, elles entendent approcher une caravane qui passe près d'elles sans les voir. Vers l'aube, elles s'arrêtent de nouveau pour reprendre haleine. Elles sont exténuées, leur cœur bat à tout rompre et elles transpirent beaucoup. La faim les tenaille. Où aller sans risquer d'être trahies? Au coucher du soleil, elles aperçoivent la forme d'une hutte. L'espace d'un instant, elles croient qu'elle appartient à leur village, mais elles réalisent que ce n'est pas le leur. Soudain, elles voient un homme sur le bord du chemin qui leur barre la route et le dialogue s'engage. Où allez-vous, les filles? Comme elles ne répondent pas, il insiste. Allons, dites-moi, où allez-vous? Chez nos parents. Et où sont vos parents? Là-bas, répond-elle d'une voix peu assurée. L'homme a vite compris, il s'agit de fugitives et il va pouvoir en tirer profit en monnayant les petites prisonnières. Donc, là, je ferme les guillemets du livre. L'homme en question va les ramener sur un marché aux esclaves. Et là, on arrive à Al-Obaid, la capitale du Kordofan, qui est un marché d'esclaves. Et évidemment, il va le vendre à une caravane d'esclaves, c'est-à-dire des départs groupés d'esclaves. Et ensuite, cette caravane arrive donc à El-Obeid. Et du coup, elle est achetée à ce moment-là par un général ottoman en 1879. Elle est achetée par un général de l'armée turque qui ne sera pas très humain avec elle. Là, elle va être fouettée, beaucoup de sévices. Je vous passe les détails, vous lirez la biographie pour en savoir plus. Et son salut arrive quand, en fait, le général ottoman a peur de l'arrivée des mahdistes, des troupes de Al-Mahdi à la fin du 19e siècle au Soudan, qui est un illuminé, sorte de Savonarole qui veut créer un État islamique ultra-puritain. Et du coup, le général prend la poudre d'escampette et il vend préalablement Bakita. Et heureusement, elle est vendue au consul italien qui ensuite la ramène en Italie. Et vous lirez le livre, c'est vraiment passionnant. Elle se convertit au christianisme, demande à rentrer dans un monastère après avoir été catéchisée. Et ensuite, elle mènera vraiment une vie de sainte. D'ailleurs, elle a été déclarée vénérable, béatifiée, puis sainte. Vous saurez toute son histoire, qui d'ailleurs a fait un film. Il y a un Italien qui a réalisé un film il y a quelques années, qui a eu un grand succès en Italie, que vous pouvez retrouver. Il y a eu plusieurs biographies sur Bakita. C'est vraiment une sainte. Hein, quand son corps a été exhumé, 20 ans après sa mort, il était comme de nombreux saints intacts. Et voilà, donc elle est morte en odeur de sainteté. Une biographie très intéressante pour d'une fois comprendre l'esclavage qui est toujours d'actualité au Soudan. Il faut bien comprendre que l'esclavagisme n'est pas fini, étant donné que déjà il est légalisé par la charia. Et au Soudan, c'est vraiment très peu médiatisé. Et je vous invite à regarder en complément un documentaire de KTO sur l'esclavagisme au Soudan avec un prêtre qui a sauvé, qui a ramené plusieurs esclaves en Europe, qui les a libérés. Et voilà, il y a des religieux dont on ne parle pas beaucoup, qui agissent dans toute discrétion pour raison de sécurité, qui libèrent des esclaves encore aujourd'hui, hein, en 2019. Voilà, donc je vous invite à regarder ce documentaire qui est aussi sur ma chaîne YouTube de Joachim Velioca, et je vous mets le lien directement dans les commentaires. Le premier commentaire de la vidéo, je mets le lien en complément. Donc Bakita fait le lien entre l'histoire actuelle des esclaves, hein, qui en Mauritanie, au Soudan, au Qatar, etc., même au Maroc. Je connaissais un Marocain qui avait une esclave chez lui et qui en parlait tout naturellement. Donc il faut vraiment que ce sujet
soit relayé par les médias, parce qu'on parle de l'esclavagisme qu'en parlant de celui d'il y a 2 siècles des Européens, et jamais de l'actuel et de l'esclavagisme musulman dont les Noirs ont beaucoup souffert, et donc on se demande pourquoi beaucoup de Noirs se convertissent à l'islam en France. C'est assez hallucinant. On vous laisse méditer sur la biographie de Bakita.